Le camp de base des Lions du Sénégal, tôt ce matin, à Doha. Calme plat. L'équipe nationale a vécu sur ce site pendant 3 semaines. L'heure du retour au pays a sonné. Dans un premier temps, le départ pour l'aéroport était prévu à 7h50 local. Finalement, les Lions sont sortis de la tanière vers 10h15. Seuls 19 joueurs sur 26 sont montés dans le bus. Un premier groupe est rentré depuis hier. Ensuite, le cortège s'est ébranlé vers l'aéroport sous bonne escorte des forces de sécurité spéciale de la Coupe du Monde. Le bus de l'équipe nationale n'a pas perdu de temps dans la circulation. Le trajet entre le camp de base et le Hamad International Airport a duré 30 minutes. Embarquement immédiat. Le vol spécial devant transporter les joueurs, leurs familles et la délégation officielle a quitté Doha dans l'après-midi. Il est attendu.